L'objectif justement de notre inscription dans les rencontres B2B, c'est vraiment de développer notre activité et de se diversifier en plusieurs secteurs dans les géosciences et de gagner en visibilité, que ce soit en France ou même à l'échelle internationale. Répondons à l'invitation d'Avenia avec qui nous sommes partenaires. Et puis, c'est l'objet de rencontrer beaucoup de gens, rencontrer la force de cette région de Pau, qui est les compétences sous-sol, qui nous intéressent beaucoup, et puis participer à un bel événement auquel on vient tous les ans. Les Geo Energy Days, pour une start-up pour la nôtre, permet d'aller chercher des opportunités, de présenter notre technologie à des grands groupes. Ce qu'apporte le pôle Avenia et cet événement-là, en fait, c'est de la crédibilité. C'est-à-dire pour une start-up, c'est pas évident de faire ce qu'on appelle des proof of concept. Même si on peut l'afficher, quand le pôle Avenia crédibilise ça derrière, c'est un levier qui est extraordinaire. On pense qu'effectivement les partenaires industriels, les entreprises, les pôles de compétitivité comme Avenia, c'est là qu'on trouve aussi les idées, les innovations pédagogiques. Et donc il faut qu'on suive l'actualité pour qu'on ait des formations à la pointe de ce qui se fait évidemment dans le domaine de l'énergie. Ce qu'on va faire, c'est présenter une innovation sur la protection des casings de pipe. Donc il y a des donneurs d'ordre présents sur les Geo Energy Day qui sont susceptibles d'être intéressés par ces solutions. Donc Geoxilia est une compagnie qui est spécialisée dans le domaine des géosciences et particulièrement dans le domaine du réservoir. Et ce qu'on aimerait faire, c'est avoir leur feedback par rapport à l'idée, voir s'ils peuvent être partenaires pour un pilote et commencer à développer un peu ce projet, cet outil. Les startups notamment sont un formidable vivier d'innovation auquel on s'intéresse de plus en plus partout. Et nous, grands groupes, on essaie d'avoir des partenariats avec ces petites structures. On peut non seulement consulter les solutions que proposent les startups, mais aussi des projets qui ne sont pas achevés auxquels les grands groupes peuvent éventuellement participer. Nous avons eu des découvertes très tardives, donc ça nous permet de profiter de l'expérience du monde entier par rapport à l'économie du gaz et du pétrole. C'est des questions complexes et pas seulement techniques. L'aspect technique est important, mais les choix commerciaux sont également importants. Les options de financement sont également importantes et ça nous permet également de voir toutes les belles innovations qu'il y a dans le secteur du gaz et du pétrole relativement à l'exploration, mais également au développement et à l'exploitation. Et donc, c'est vraiment des journées très, très riches.